Quelle chute, quel homme. Bonne année 2016 à toutes et à tous. La santé, la prospérité, l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Non, mais ça va, je vais y arriver. Ça, je vais être joyeuse et téléphysuelle. D'accord, allez-y. Quelle joie de présenter la météo de la semaine. Le temps sera plutôt couvert. En fait, il s'appelle José, ça fait 4 ans qu'il me dit qu'il va quitter sa femme. Et moi, j'attends comme une conne, voilà. De toute façon, c'est ce que je suis une pauvre conne. Parce que si j'étais autre chose qu'une pauvre conne, eh ben, je ferais autre chose que présenter la météo sur une chaîne de merde avec des ratés. Excusez-moi, je retourne ma colère contre vous, ça n'était pas justifié. Pensez à prendre vos petits parapluies cette semaine, car la pluie sera au rendez-vous, contrairement à José, voilà, oui. Que j'ai attendu toute la soirée du réveillon, j'avais préparé le champagne, la musique romantique, et comme la dinde dans le four, j'aurais aimé me faire fourrer. Voilà, mais il n'est pas venu. À minuit, j'avais tellement le cafard que j'ai sucé mon chien. Et c'était bien? Non, ça va, il est beau, c'est un husky. Ah, ça m'a fait rire parce que comme j'ai vu la bouteille de champagne, je me suis dit, bah, cette année, j'aurais bu du champagne et du husky. Elle est belle. Très bien, c'est très bien. Elle est très jolie. Je suis assez fière. Alors, ouais, vous avez raison. C'est décidé. En 2016, je me respecte. Je me trouve un homme rien que pour moi. Voilà, un homme qui peut m'aimer. Parce que je sais que je suis une perle. Quand je dis perle, je ne suis pas un prout, messieurs. Elle est moins bien, celle-là. Oui, elle était meilleure. Ce qui compte, c'est le geste. C'est vrai, c'est l'intention qui compte. Exactement. Demain, nous fêterons la Saint-Solitude. Bonne fête à tous ceux qui, comme moi, ont besoin d'amour propre. Voilà. Monsieur Farrugia, est-ce que je peux vous embrasser? Bien sûr, avec plaisir. Vous avez déjà dit que vous aviez des airs de husky? Non. Non, mais je me gratte exactement comme lui. À suivre. Merci, Constance.